Hello, good evening, everyone. Hello, 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 Loli, hello, Mazou. Hello, Alexa. How is everyone? Ah, oops. Sorry about that. About it, teacher about his life. Okay. Je me suis mis un repère moi-même. Alors, comment ça va? Vous allez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien pour être sûr. Je pense que vous me voyez bien aussi. Hop, comment je vais mettre ça déjà? Ouvrir le chat dans une autre fenêtre. Voilà. Hop, hop, hop. Hello, Alicia. All right, so. Today, yes, excellent. Oui, le son est parfait. Hello, Michaud. Hello, Dio. Hey, you're on time. Excellent. Excellent. OK, donc, comme d'hab, je m'installe à gauche, langue à droite, le français et vous au milieu. Alors, aujourd'hui, nous voyons une première scène d'un épisode de The Mentalist. The Mentalist, sur la TNT, il passe régulièrement. Alors, ça change de chaîne, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, quelle chaîne. Mais c'est quelque chose que j'aime particulièrement. C'est un feuilleton, une série que j'aime beaucoup parce que, bon, c'est un policier, mais c'est aussi The Mentalist, c'est le mentaliste, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui sait lire dans les gestes, dans la gestuelle, dans les pensées, en fait, si vous voulez, des personnes. Et c'est un consultant qui aide la police à comment dire, à attraper le meurtrier ou le coupable. Voilà, tout simplement. Alors, hello Yannick. Et je vous entends bien également. Super, merci. Loli qui nous dit, j'ai vu quelques épisodes en français. Oh ben non, oh ben non, faut le mettre en anglais. Allez, allez, la prochaine fois, hein, Loli. Alors, cet épisode-là, je crois, c'était marqué que c'était la saison 2, mais oui, probablement. Saison 2, premier épisode. Et on y va tout de suite. L'extrait que je vous ai pris fait 5 minutes, je crois. Après, il y a peut-être une bonne minute sans parole. Mais voilà. Donc, ça commence comme ça. Donc, vous avez le flic. Alors, c'est un détective, c'est un agent, je ne sais pas comment on dit. Enfin, elle s'appelle Teresa Lisbonne. Et Patrick Jane, le consultant qui est mentaliste. Donc, ils arrivent. En fait, il y a eu un meurtre dans un magasin. Ils arrivent dans le magasin et Teresa lui dit dans l'oreille un peu. Oh, ah ben non, j'ai fait le contraire. J'ai mis le. Non, ça c'est français. J'allais dire. J'allais vous donner l'anglais tout de suite. Ah ben. Da, 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 da. 3 pages plus loin, voilà. Teresa, donc elle s'appelle Teresa Lisbonne, peu importe, elle lui dit, descendez d'un cran, et en fait, elle se reprend et elle dit, descendez de trois crans. C'est-à-dire, faites pas en fait, pas des tonnes, parce qu'il a tendance à se foutre des gens et à en faire des tonnes et donc, voilà. Donc, comment... Alors, ça commence cette fois, c'est pas tout doux, hein. Comment vous allez me dire ça? Descendez d'un cran, descendez de 3 crans. C'est une expression, alors, vous la connaissez peut-être pas, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est une expression qu'on peut entendre régulièrement dans des feuilletons. Donc, c'est sympathique de... Marianne qui dit le son. Qu'est-ce qu'il y a, le son? Vous m'entendez pas?
où il dit, bon, moi qui étais là, je n'aime pas parler dans le vide. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe avec le son? Ou les autres, est-ce que vous pouvez confirmer que... Ah non, sound, ok, ok. Merci, Loli. Alors, comment vous diriez, bah, allez, descendez d'un ton, ou d'un cran, ou de, même de trois. Allez, si on entend très bien, super, merci. Merci, Mazou. Alors, je sais que c'est un début sur les chapeaux de roue, là, hein, c'est pas... Mais essayez de formuler... essayez de formuler cette expression avec les mots que vous avez. Oui, je sais, Loli, vous cherchez. Hello Yannick, hello, hello. Donc la phrase, la première phrase, c'est l'inspecteur, je crois que c'est un inspecteur qu'on dit, qui dit à Patrick Chain, descendez d'un cran, descendez de trois crans. C'est une expression. Comment est-ce que, si vous vouliez dire ça, sans connaître l'expression, comment est-ce que vous le diriez? Juste pour voir s'il y a des idées. Descendez, ça fait comme ça. Une préposition déjà. Alors. Go down d'un cran. Oui, pourquoi pas. Alors. Go down. Go down, c'est... ok, je vais vous dire... comment je pourrais vous dire? Prenez-le. Alors, si je vous dis prenez-le plus bas d'un cran. Parce que c'est pas go. Ah, slow down, c'est pas mal. Il y a de l'idée, Alex. Michaud, go down. Non, c'est pas go, c'est pas aller. Mais si je viens de vous dire, donc prenez-le. Prenez-le. Pour une fois, je vous fais faire du mot à mot. Alors, profitez, hein, ça ne va pas durer. Hein. Ah, Loli qui a compris le raisonnement. Take it down, lower, plus bas, oui, pourquoi pas. Take it down. Déjà, rien qu'en disant take it down, c'est déjà l'expression calmez-vous, quoi. Take it down, calmez-vous. OK? L'expression pour dire ça, c'est take it, take it down a notch. A notch. J'ai même pas regardé ce que ça voulait dire a notch. Si un non, c'est pas un nœud. Take it down a notch. Alice me dit tense it down to run. À part it down, je vois pas ce que vous voulez dire, hein, Alicia. Essayez de bien taper les lettres quand même. Donc, l'expression à retenir, take it down a notch. A notch. C'est une expression qu'on peut entendre pas mal dans les séries. Et du coup, quand elle répète et qu'elle dit descendez de trois crans. Allez, pour le fun, écrivez-le. Descendez de trois crans. Je vous ai dit, je vais vous donner la réponse pour un cran. Bon, trois crans, c'est pas difficile, hein. Descendez de trois crans. Alicia, je voulais mettre tech. Ah oui, c'est mon correcteur automatique qui a tout changé. Ben oui, c'est ça. Deux solutions à ça, Alicia. Soit vous enlevez le correcteur automatique d'orthographe. Hein. Soit vous mettez, vous ajoutez alors à votre ordinateur ou votre téléphone, je ne sais pas sur quoi vous êtes, vous ajoutez un keyboard, un clavier, vous ajoutez le clavier en anglais. Et donc, l'ordinateur ou le téléphone va du coup automatiquement comprendre dans quelle langue vous voulez écrire.
Alors, Lolita, regardez, merci, parce que si je regarde, moi, ça pourrait couper. Je préfère pas. J'ai eu des problèmes d'Internet cet après-midi, je sais pas pourquoi. Notch, encoche en taille-cran. Oui, voilà. Une encoche, a notch. OK, très bien. Donc, ça fait take it down. J'ai pas mis off. J'ai pas mis off. Il n'y a pas de off. Three notches. Et ça se prononce notches. Il y a des pluriels qui se prononcent le ES après. Ça, c'était l'atelier. Je me mets sur la bonne page pour prendre des notes au cas où. Bon, je vais rester sur celle-ci. D'accord. Donc, take it. Alors, Mazou. Non, pardon. Alex, d'abord, take it down. Three notches. Au pluriel, ES. Et le ES se prononce, notches. Ça fait comme deux syllabes. Hein? I say, OK, thank you. Avec un H, OK. Mazou, take it down three notches. Oui, exactly. Donc, Patrick Chain, le mentaliste, qui dit, d'accord, c'est sous contrôle. D'accord, c'est sous contrôle. D'accord, c'est sous contrôle. J'ai pas mal les noms, ça prend de la place. D'accord, c'est sous contrôle. Ça devrait le faire. Je vous attends. D'accord, c'est sous contrôle. Alors, Loli qui dit OK, it's under control. Qui d'autre? Oula, wakey, wakey. Je me sens sale, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Alex qui nous dit, OK, that is under control. Yes. Mazou, all right, it's under control. OK. Alors, that pour Alex, ce serait ça. S'il montrait quelque chose, hein? Mais bon, c'est la situation, donc on va plutôt dire « it's ». « It's under control ». Michaud, OK, « is it control ?»« It is under control », OK. Et donc, Patrick Chain qui continue, qui dit « on va faire ça vite et on s'en va ». Hop, hop, et c'est classé. En gros, c'est ça qu'il dit. Hein. Alors, Alicia, OK, it's under control. Yes, correct. La suivante, on va faire ça vite et on s'en va. Donc, imaginez, ils sont en train de descendre les escaliers, Patrick et Teresa. Et ils arrivent dans le magasin et il y a plusieurs personnes qui sont là à les attendre. Des personnes clients et que la police a demandé de rester, quoi. Clients et employés. Alors, on va faire ça vite et on s'en va. Hop! On va faire ça vite et puis hop, on s'en va. Donc, on va faire ça vite et puis on s'en va. Alors, c'est la connexion qui est lente ou bien... OK, Michaud. We go do fast and we go. Bon, il y a des mots anglais. C'est déjà ça. Alicia, we doing... Alors, si vous mettez ING, il vous faut un auxiliaire. Lequel? This quickly... And we go. C'est pas mal autrement, hein? Alex, we are going that fast. That fast. Qu'est-ce que j'ai dit? On va faire ça vite. Ah, ça. Non, non, non. Vous avez un problème ce soir avec les ça et les ce? C'est la situation encore. Alors. N'essayez pas. Je vois en fait que vous faites. J'ai l'impression que vous faites du mot à mot. Hein. Comprenez l'idée.
l'idée et comment vous la diriez, comment vous feriez comprendre. Donc, je finis sur Alex. We are going that fast and we go it. Non, le it et le that, c'est bizarre. Loli, we are going to make that quickly. To make, fabriquer. and we are leaving. Okay, to do. Pour Alex, to do. À quel endroit, Alex, vous rajouteriez to do? Alicia, we are going this quickly and we go. Alors, ah oui, to do, effectivement, on va faire, pas fabriquer, mec. Merci, Alex, pour Loli, je pense. On va faire ça vite, on va faire vite, à la limite, hein, et on s'en va. J'attends un peu avant de donner la réponse. Mazou, we're doing it quickly and we're leaving. Encore un ing sans auxiliaire, ça ne va pas ça. En verbe, hein, je dis. We're doing it quickly. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Luli, we're going to do that quickly. We're going to do that quickly. Yes, that's an option. Alors, la façon dont il... C'est qui? C'est Jane. Ouais, c'est Patrick. La façon dont il le dit, c'est avec « get ». Alors, Michaud, we are going do. Alors, we are going to do it fast or quick, and then we are to leave, and then we leave. Bon, je vous donne la solution. Oula, c'est dur ce soir. we will get this done quick. We will get this done and dusted. Done and dusted, vous connaissez ça? Un petit aparté. Done and dusted. C'est quand on fait ça, done and dusted, c'est bon, c'est fait. C'est réglé. We'll get this done quick and be on our way. And be on our way. Mais bon, on aurait pu dire, vous aviez dit and we are leaving aussi. Dans la série, c'est comme ça qu'il le dit. And be on our way. OK. On continue. C'est toujours Patrick qui parle. Alors, les gens sont assis. Pas tous, mais bon, peu importe. Dans le magasin. Hein. C'est un magasin de meubles, canapé, vaisselle et compagnie, un showroom en fait, hein, j'ai ça. Et donc ils l'attendent avec la sécurité, avec le flic, avec un flic, un policier en tenue. Et il dit bonjour, nous sommes du CBI. CBI, crime, je ne sais plus pourquoi ça. Investigation. Je ne sais pas à quoi correspond le B. Alors, bonjour, nous sommes du CBI. Et je vous dis l'autre, parce que ça c'est facile. Il se pourrait. Nous sommes dus, hein. C'est pas on va haut, hein. Nous sommes du CBI. Alors, Alicia, qui dit hello, we are to CBI, to, c'est pas la bonne. Et attention, hein, il dit hello en fait. Donc, ouais, hello, c'est bon. Alex, hello, we are off CBI.
C'est pas off non plus. Qui va me trouver la bonne préposition du coup? Loli qui dit hello, y'a Frilin? C'est bien, Frilin n'existe pas, c'est une erreur, elle va nous corriger ça. Qui d'autre? Mazou, yes. Hello, we are from CBI. From the CBI, actually. From the CBI. Et la suite, je vous l'ai mise. Il se pourrait bien, alors, il se pourrait bien que l'un d'entre vous, ou qui parle à tout le monde comme ça, il se pourrait bien que l'un d'entre vous soit le meurtrier. Il y a eu un meurtre, c'est pour ça qu'ils viennent. Hein. J'ai peut-être oublié de dire ça. Donc, il se pourrait bien que l'un d'entre vous soit le meurtrier. Ah ah. Hello, we are from CBI. Il est très. Comment on pourrait dire ça? Arrogant, vous verrez un peu. Pas dans les paroles, hein, mais dans son attitude. Il est toujours très, au contraire, très poli. Un vocabulaire très nickel, je dirais. Alors, il se pourrait bien que l'un d'entre vous soit le meurtrier. Alors, Loli qui nous dit, It could be that one of you can be, alors, it could be, que, can be, un petit peu trop de can, là, the murder, c'est le meurtre. Moi, je veux le meurtrier. Le meurtrier, celui qui a tué. Alors, il se pourrait bien. Et quand, Loli, si vous utilisez could comme ça, it could be. It could be. Ça se pourrait, ouais. Non, ce serait possible. Ouais, on pourrait, éventuellement, on pourrait. Il y a un autre modal plus approprié à cette situation-là. Alors, j'attends d'avoir des réponses. Il se pourrait bien que l'un d'entre vous soit le meurtrier. Only one of you may be the killer. Le tueur, oui. Ah, il me faut des réponses, hein? Quand même, pas que Loli. Alors, il se pourrait bien, faites-le avec vos mots. Vous pouvez dire, c'est possible que. Le meurtrier soit parmi vous, ou bien. Ah, ben voilà, justement. Alice, pardon. It's a possibility, un seul, hein, to one between you. Ah, between, entre. Non, entre. Je veux dire, between, c'est quand c'est entre quelque chose, entre deux choses. Hein, le verre est entre mes mains, par exemple. Alors, mais it's a possibility, c'est très bien contourné, très très bien contourné. To one between you are the killer is the killer dans ce cas-là. Parce que c'est juste un meurtrier qu'on recherche. Alex, each one people of you. Ooh. Alors, might, c'est bien, mais c'est each one people of you. Each one, c'est chacun d'entre vous. Donc, non, ce n'est pas le sens qu'on veut, c'est un seul d'entre vous. Hein? Michaud, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Oh, merci Michaud, c'est gentil. Super. Le hello, hello.
Someone among, among you might be the killer. Yes. Et la possibilité, enfin, la possibilité, oui, vous l'avez dans might, mais oui. Someone among you might be the killer. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. C'est pas la façon dont il dit, mais c'est tout à fait possible. Lolly, between, entre deux choses, among, parmi. Tout à fait. Merci, Lolly. Mazu, it should be possible that one of you is good. Yes, one of you was, était. Ah ben non. Et toujours, hein, le fait d'être un meurtrier, c'est pas parce qu'il a tué avant qu'il est plus. Il est meurtrier. Donc, is a killer. C'est pas mal du tout, Mazou. Alors, le shoot là, it should be possible, c'est ça devrait être possible. C'est un petit peu bizarre dans cette situation-là. Alissa, it is a possibility to, non, that someone is the killer directement. You are a killer. Some of you. J'ai dit que c'était is, hein, parce que c'est un seul meurtrier qu'on recherche. Allez, je vous le donne. It may well be. Je vous avais dit que Patrick Jane, il parlait joliment, hein. Il a pas l'attitude, même s'il est en costard trois pièces tout le temps là. Il a pas l'attitude pas arrogante, mais son langage, sa façon de parler est well mannered, avec de très belles manières. It may well be that one of you, hein, one of you, quelqu'un l'avait, is the murderer. Alors, or is the killer, c'est pareil, hein? Murderer or killer. Okay. It may well be. It may well be. Or it might be. Quelqu'un l'avait aussi, Alex, mais le sujet n'était pas le bon. It might be, c'est bon aussi, hein? It may well be. Is Lolly, he's a posh person. He's a posh person. His story is quite interesting, actually. Le caractère, l'histoire du personnage est sympa à connaître si vous appréciez ce genre de série. Alors, ensuite, et puis il est très sûr de lui, hein, c'est un mentaliste, attention. Bougez un sourcil, il sait ce que vous pensez. Et il dit, si c'est le cas, je vais trouver qui. Alors là, c'est du mot à mot. Si c'est le cas, je vais trouver qui. Je vais trouver qui. Vous savez dire je vais plus verbe. Comment on dit ça? Si c'est le cas, je vais trouver qui. Ah, qui est le meurtrier? Si c'est le cas, il ne peut pas m'échapper. Alors, si c'est le cas, si tel est le cas, si c'est le cas, il y a toujours un petit décalage, hein, vous inquiétez pas, entre quand vous écrivez et quand moi je vois, et puis inversement, quand je parle, vous entendez. Donc, si c'est le cas, je vais trouver qui. Ta-da-da-da-da. Alors. Si c'est le cas, je vais trouver qui. Je vous mets la suivante pour que vous cherchiez. Ensuite, il dit, il regarde à deux personnes qui sont debout là. Il regarde comme ça, tac, tac, tac. Et puis il dit, ces deux-là sont innocents, ils peuvent partir. Alors, si c'est le cas, je vais trouver qui. Loïc qui nous dit,
If that's the case, I'm going to find out who. Nice. Oh, il y a une petite erreur. Oui, je dis nice, et en fait, mais c'est grâce à Alex que j'ai vu l'erreur. To found, non, to find. Found, c'est le prédicat. Alex, if it's that, c'est presque ça, hein? C'est pas dans le bon sens, mais c'est presque ça. If it's that, I'm going to find who. Yes, I'm going to find who. Perfect. Si c'est le cas, si ceci ou cela est le cas ou est comme ça, alors, Alicia, if that, alors le verbe il est où? If that the case, il vous manque le verbe être, hein? Alicia, I'll be found who? Je serai trouvé. Je serai trouvé. Ah non. Qui? C'est je saurai déjà. Donc c'est pas be. Et ouais. Mazu, if it's the case, c'est une façon de dire, I'm going to find, F-I-N-D. C'est, si vous mettez to, c'est que c'est l'infinitif. Donc, c'est F-I-N-D. Who? Sinon, c'est rien du tout. Alicia, if that, il vous manque toujours le verbe ici, hein. Si c'est cela est, le verbe être, a case, I will be find. parce que j'ai dit je vais trouver. Je vais. Comment on dit je vais? Loli, those two are, c'est la suivante. Those two are innocent, they can go. Mm-hmm. Michou, if that, et pourquoi vous me mettez pas le verbe être, hein? Je comprends pas, entre Michou et Alicia, là. Hein? That the case, avec un E, I will find, je trouverai, c'est déjà, il n'y a pas besoin de mettre is là. Le is, c'est pour avant, si c'est le cas. If that is the case. Yes, Alicia, if that's the case, I will go and find who. Why not? Tout à fait. La mafia, if that's the case, I will find who. Oui. Mazou, these two are innocent. On ne met pas les adjectifs en anglais, ils ne prennent pas de S, hein, ne prennent pas de l'accord. They can go, ok. Ok, donc vous avez trouvé celle-là. Je vous la mets. If that's so, c'est une autre expression que vous devez savoir. If that's so, si c'est le cas, si c'est comme ça, I'm gonna find out who, pardon. I'm gonna find out who. I'm gonna say going to, hein? I'm going to find out who. Mais on peut dire I'm going to find who. Or who it is, okay? Donc, vous étiez sur la deuxième déjà. Ces deux-là, tac, 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 sont innocents. Ils peuvent partir. Et Alex qui nous dit, you both aren't
Coupable. Coupable. Guilty. Coupable, c'est guilty. OK? Innocent, c'est innocent. You can leave. OK. When you say, Alex, when you say you both, c'est bien, mais ça veut dire que il parle directement aux deux personnes. Il dit, vous deux, vous êtes innocents. Oh, vous n'êtes pas coupable. Vous n'êtes pas coupable. Hein. OK? Le mafia, those two are there. T-H-E-R-E. Non, 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 non. There, T-H-E-R-E, c'est there is, there are, il y a. Pour dire il y a. Hein. Si c'est le pronom personnel sujet il au pluriel, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Hein. Are innocent, they can go. OK. Donc, on avait pas mal là, de réponses là-dessus. La réponse de l'épisode, c'est these two, or those two, c'est bien aussi, are innocent, they can go. Excellent. Ensuite, Teresa qui dit, restez dans le coin, parce que les deux, ils veulent partir du coup. Elle dit, restez dans le coin, nous allons avoir besoin d'une déclaration. Alors, typique hein, dans les séries télé policières. Alors, restez dans le coin, restez dans le coin. Une autre expression, restez dans le coin. On va avoir besoin, nous allons avoir besoin, pardon, d'une déclaration. Alors, c'est à vous de me dire ça en anglais. Restez dans le coin, hein? Restez dans le coin. Pensez à quelque chose qui colle. Je sais pas si vous... Ça vient de ça, en fait, hein? Du mot coller, mais bon. Est-ce que vous connaissez cette expression? Dans le coin, dans les environs, hein? Par ici, autour. Alors, restez dans le coin. Yeah! Une faute de frappe, Loli. Effectivement, coller, c'est stick. Les tubes jaunes là, de colle, là, stick. Comment c'est? Ou sticker. Les trucs qui collent sur le fridge, là. Sur le fridge. Sur le frigidaire, le frigo. Alors, oui, stick around, exactly, hein. Venu tout là, stick around, restez pas trop loin, restez dans le coin. Nous allons avoir besoin d'une déclaration. Alicia, stay in the corner, oh, stay here. Il faut revoir vos verbes, Alicia, parce que là, vous me mettez « oui » ou « will », un modal, après vous me mettez le verbe « be » au présent, et après vous me mettez « need ». Non, c'est pas possible. Revoyez, lequel d'abord ? Revoyez « will », la vidéo sur « will », OK ? Pour le futur. Revoyez ça. To a declaration. Declaration, non. Statement. To stay here, Michaud. To stay here. Oui, to stay here, on peut dire ça, pourquoi pas. Stay here, restez là. Hein? Stay here, comme on dirait un chien. Stay here, restez là. Loli, we're going to need a statement. Yes, tout à fait. Quelqu'un d'autre? Nous allons avoir besoin d'une déclaration. Nous allons avoir besoin d'une déclaration. Oh, où suis-je? Ah.
Kind of, Michou, to stay here because we need a declaration. Declaration, non. C'est déclarer sa flamme, par exemple. Mais là, c'est a statement. Une déposition, si vous voulez. Où est-ce que j'ai tapé sur je ne sais pas quoi, là? Ah, bah oui. OK. Donc, stick around. Bon, je vous le mets. C'est difficile ce soir, hein? La semaine dernière, c'était trop facile et là, j'ai fait trop difficile? Non. Allez, allez, on peut le faire. Hop, hop, et hop. Stick around. We're going to need a statement. OK? We're going to need a statement. On va avoir besoin. We are going to. On va. Hein, c'est une intention. C'est prévu. Alors, Patrick qui dit, donc il voit la personne, il voit son, c'est un employé, il a son badge, il s'appelle Neil, donc il appelle Neil, et il pose une question. Neil est dans un fauteuil, vous verrez ça demain, et il lui dit, Neil, quelle est la pire erreur que vous ayez faite? Ah non, c'est pas lui, lui il est debout, pardon. Faut que je revisualise la scène. Neil est debout, mais il a le badge aussi. Quelle est la pire erreur que vous ayez faite? Rapidement. Hop, hop. Quelle est la pire erreur que vous ayez faite? Vous pourriez mettre I'm fine, thank you. And you, Valérie. Il faut traduire la phrase. Quelle est la pire erreur que vous ayez faite? Rapidement. Rapidement est à traduire également. Hein? Je vais changer quelque chose là avant que j'oublie pour demain. En vous laissant le temps de réfléchir. Voilà. Quelle est la pire erreur que vous ayez faite? Rapidement. Tac, tac, sans réfléchir, tac, tac, il faut que ça soit automatique. C'est comme ça qu'il découvre ses assassins, hein, les coupables. Alors, qui me dit quoi? Il y a déjà trois quarts d'heure, on n'a même pas fini la première page. Hein. Ah, alors, Mazou, Neil, what is the worst mistake you did? Très bien, pas mal du tout. Loli, what is the worst mistake that you've ever made? Yes, excellent. Tout à fait. Que vous n'ayez jamais fait. Michaud, Neil, what is error do you do? Il y a des mots. Alex, Neil, what is the worst mistake you made? Quickly. Le mafia, Neil, what's the worst mistake did you make? Ah. C'est les mots sont là, mais quand vous faites la question et que vous mettez l'auxiliaire avant le sujet, il faut que ça soit dans la première question, hein? Tandis que là, il y a enfin dans la première partie de la question. Là, c'est bizarre que vous mettiez what is the worst mistake et que vous mettiez après did you. Que vous inversiez. Il ne faut pas inverser à ce moment-là. Quand il y a « what is da-da-da » et s'il y a un verbe, il faut le mettre normal, comme si c'était une affirmation. Fast. OK. Entre quickly et fast, il y a une vidéo là-dessus. Hein. Allez la voir. Alicia, Neil, what is the worst mistake that you ever make?
that you... Alors, si vous mettez ever, c'est du present perfect. That you have... That you have ever made. C'est le past participle du verbe, hein, dans ce cas-là. Ok, teacher, thanks. No worries. Et c'est tout à fait ça. What's the worst mistake you've ever made? Quickly. Allez, je vais prendre quickly aussi. Bien joué. Present perfect. Que vous ayez jamais fait ou jamais eu. Hop. Voilà. What's the worst mistake you have ever made? Quickly. Chop, chop. Et le gars, Neil, il répond, mon premier mariage. Mon premier mariage. Alors, bon, facile. Mon premier mariage. My first marriage. Oui, tout à fait, hein. Tout à fait. First marriage. En français, pardon, en français, on est obligé de mettre mon premier mariage. S'il répondait premier mariage, c'est, ça serait bizarre. Mon premier mariage. Mais en anglais, on n'est pas obligé. Et en fait, là, dans l'épisode, il dit, Neil dit first marriage. First wedding. Wedding, c'est la réception. C'est pas le mariage. Hein, Alex, c'est la réception, le wedding. Alicia également. C'est bien first marriage or mariage. My first marriage. D'accord. Bon, Patrick, tu dis bonne réponse. Pourquoi êtes-vous nerveux? Il trouve probablement pas, mais il le dit quand même pour le déstabiliser, hein, c'est un mentaliste, je répète. Pourquoi êtes-vous, bonne réponse, pourquoi êtes-vous si nerveux? Oui, le wedding, c'est la cérémonie, c'est la réception, quoi, le jour J. Michel, my first marriage. Yes, avec un A, hein, quand même. Valérie, my first marriage. You are the best. Who is the best? Me? No. Alors, Patrick Chain qui demande donc bonne réponse à my first marriage. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Pour voir comment il va réagir, quoi. Mazou, good answer. Why are you so nervous? Loli, good answer avec un S, oui, corrigé, d'accord. Why are you so anxious? Good as well. Good as well. Vous verrez demain que il ne se prend même pas la tête pour dire le verbe. On est. Michou, good answer. Yes. Alex, good answer. Why are you so nervous? Yes. Valérie, why are you sad? Sad? Sad, c'est triste. C'est pas nerveux. Retirez pas, c'est bien d'essayer quand même. Hein? C'est pas la peine de retirer, Valérie. Alors, il dit, good answer, yes, vous l'aviez. Why so nervous? Pourquoi aussi nerveux? Hein, vous l'écouterez demain. Alicia, good response. Why are you nervous? Response. Ouais, bonne réaction. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Neil, qui dit, je ne suis pas nerveux. Ok, je ne suis pas nerveux. Bon, ça, c'est facile. Je vais avancer. Ensuite, il va vers une autre personne. Alors, Loli, I'm not nervous. Yes. Alicia, I'm not nervous. Mazu, I'm not nervous. Oui, tout à fait. Hein.
Et il pourrait même dire, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'épisode, il dit, je ne le suis pas, I'm not, hein, directement. Patrick dit qu'il va vers une autre personne, vous, votre nom, elle dit, son nom, c'est Candice. Il lui dit, Candice, alors, comment je vais faire ça? Ouais, je vais quand même mettre tout ça. Vous allez comprendre pourquoi. Ah non, ça ne fait pas ça. Alors, Candice, j'aime ce nom. Comment je peux faire ça? Je peux faire ça. Ah non, zut, ce n'est pas ce que je voulais faire. Candice, j'aime ce nom. Il prend un faux fruit. Une mangue, je crois que c'est. Il lui donne la mangue, il dit tenez, et il prend son sac en même temps et il dit merci. Tenez, merci. C'est ça que je veux que vous traduisiez. Tenez, puis merci. Enfin, merci, bon, vous le savez, mais tenez. Tenez. Or, voici, voilà. Take. Hello, Ivan. Ivan, pardon. Take this dans ce cas-là. Hein? Prenez ça. I like this name. Here is. Yes, here. Tout simplement, il dit here. C'est un jeu, vous verrez, vous comprendrez demain. Hein? C'est un jeu d'automatisme, de réflexe. Il lui donne quelque chose, il lui prend autre chose. Pas faire gaffe et c'est comme ça. Donc il lui dit here et il prend le sac et il dit merci. I like this name. Donc moi j'ai dit Michou, I like this name. Even and take it avec un K. Loli, I like this name. Hold that. Yes, hold that aussi. Thank you. OK. Valérie, Candice, I like this name. Yes. Alicia, good evening. I got it. OK. Enjoy your meal. even take, yes. Valérie, take. OK. Lui, il dit here. Here. H-E-R-E. OK. Puis il dit, oh, c'est bon, je suis consultant. Je passe. It's OK, I'm a consultant. OK. Ça, c'est sympathique. Donc, imaginez la situation. Il fouille dans le sac, j'ai pas de sac ici, il fouille dans le sac à main de la dame, de Candice, hein, et puis il trouve des. Je parle plus. Une petite boîte de médicaments, de pilules. Et il lui dit, Candice, suivez mon conseil, pardonnez à votre mère. Candice, suivez mon conseil, pardonnez à votre mère. Et il enchaîne par, peut-être que les maux de tête cesseront si vous pardonnez à votre mère plutôt que d'avaler des cachets, quoi, sous-entendu, hein, bien sûr. Candice, donc, à traduire en anglais. Dans le chat, Candice, suivez mon conseil, pardonnez à votre mère. Peut-être que les maux de tête cesseront. Suivez mon conseil, pardonnez à votre mère. Peut-être. Alors, pardonnez à votre mère, facile. Suivez mon conseil, pardonnez à votre mère. Ça, c'est facile, hein? L'autre aussi remarque. Alors, Loli. Ah, parce que j'ai dit suivez. Follow my advice. Forgive your mother, oui. Follow, c'est plus follow the instructions. Suivez les instructions pour aller à tel endroit. Ou follow me, suivez-moi. Mais pour suivre mes conseils, prenez mes conseils dans le sens.
Alors, Valérie, Candice, you follow my advice. Ok, pareil pour le verbe follow. Alex, Candice, follow my advice, forgive to mother. Ah. Forgive to mother, ça serait correct si c'était sa sœur. S'ils avaient la même mère. Et s'ils étaient très de la haute société. Forgive to mother. Ok, mais. Ou pardonner à votre mère. Votre mère. Michaud, follow avec un O, my advice. Non, pardon. Michaud, follow me, forgive, follow me. Non, suivez-moi. C'est pas suivez-moi qu'on dit, hein. C'est suivez ma. Prenez ma. Ma advice, mon conseil. Forgive your mother, your mother, avec un R. Mazou, Candice, get my advice. Non, get, ça marche pas non plus. Forgive your mother, yes. Ivan, Soumi. Ah. J'affiche, je ne sais pas pourquoi YouTube a décidé que c'était pas bon. Ivan, follow my advice, excuse me to your mother. Non, excuse me to your mother, ça veut dire dis à ta mère que je m'excuse. Mais ce n'est pas du tout ça. Ah, Valérie, you take the advice. Yes, take the advice. Take my advice. Yes, Lily, take my advice. Maybe the headaches will stop. Yes, exactly. Valérie, you take the advice. Ah, vous l'avez mis deux fois, d'accord. Le mafia, Candice, take my piece of advice. Oui, pourquoi pas. Forgive your mother. Yes, Alex, Candice, take my advice. Forgive your mother. Oui, c'est ça. OK, on y est. Ah, c'est pas le bon, ça c'est le français. Et peut-être que les mots de tête cesseront là, ou je sais pas quoi, comment je dis ça? Peut-être que les mots de tête cesseront, tout à fait. Alors, je vous mets la bonne. Candice, take my advice, forgive your mother. Il est condescendant, hein, évidemment, hein. J'avais dit Alex, Ivan qui me dit sorry, I have not understood. Understood. Oh, I didn't understand. Mais non, c'est bien, laissez, c'est bien, tant que c'est de l'anglais. Michaud, take my advice, forgive your mother. Yes. Donc, la suite, peut-être que les mots de tête cesseront. J'ai eu qu'une, peut-être deux réponses. Peut-être que les mots de tête cesseront. Je le remets si vous voulez. Peut-être que les mots de tête cesseront. J'ai eu Loli qui a dit Maybe the headaches will stop. C'est tout. Il y a eu que Loli qui a répondu à celle-là. Et les autres? Ah, Valérie, maybe the wrong head stop. The headache. Pardon. Les mots de tête. Mots de tête, c'est headache. En un mot, en un seul mot. Bon, je vais avancer, hein, parce que, ouh là là, c'est moi ou c'est vous ce soir? Ou c'est la pleine lune peut-être? Eh oui, ce soir, on a la pleine lune. Alors, maybe the headaches will stop. Donc, Loli avait raison, ok? La fille, Candice, elle dit, j'adore ma mère.
I love my mother. Et Patrick Jane lui dit Ok, j'ai tort, ignorez mes conseils. Ok, j'ai tort, ignorez les conseils. I love my mother. Ok, j'ai tort, ignorez mes conseils. Oui, Loli, headaches, avec un S pour mot de tête, sinon mal de tête. Ok, j'ai tort, ignorez mes conseils. Parce qu'il lui a dit, I love my mother. Il dit, ok, j'ai tort, j'ai faux, je suis dans le faux. Ignorer. J'ai pas dit oublier, hein. Pour Loli, on peut faire plus précis que ça. Loli nous dit, ok, I'm wrong. Forget my advice. C'est oublier mon conseil, ça. Moi, j'ai dit ignorer mon conseil. Quelqu'un d'autre voudrait essayer? Alors, forget. Alex. Pourquoi j'ai forget? Non, c'est pas forget, justement. Alex, il me dit, OK, I'm not right. Don't take my advice. Yes, yes. That's good. That's a good sentence. I'm not right. Don't take my advice. Mm-hmm. Loli qui propose ignore, point d'interrogation. Oui, tout à fait. C'est ignore. Ignore. C'est écrit pareil, ça se prononce différemment. Ignorer mon conseil. Le maths, c'est OK, I'm wrong, ignore my advice. Yes, exactly, excellent. Michaud, OK, I am wrong, don't take my advice. In, yes. Valérie, I'm sorry not to know my advice. I'm sorry not to know. To know, c'est savoir. Savoir, connaître. Donc, ce ne serait pas ce verbe-là. Hein? Mazu, OK, I'm wrong, ignore my advice. OK. Valérie, you know, no. You don't know. You don't know. Don't take my advice, tout simplement. Ignore my advice. Pardon. Je fais la même erreur. Ivan, I am wrong. Ignore my advice. Advice, c'est que je dis pas ce bêtise. Oui, il me semble que c'est un nom, c'est un mot irrégulier invariable. Il n'y a pas de S à advice. Alors, il passe à une autre personne, celle qui est assise dans un fauteuil, enfin, un bonhomme qui est assis dans un fauteuil, qui a un badge aussi, il s'appelle Reed. Et une dame, une cliente du magasin qui dit comme ça, qui se lève, uncountable as well, yes, Loli. I am wrong, est-ce qu'on peut dire my bad? Oui, tout à fait, my bad. Mais c'est pas son style à Patrick Jane. My bad. Quoique, si, il pourrait le dire. I'm wrong or my bad. Tout à fait. La suite, une femme et une cliente du magasin est exaspérée de devoir attendre. Voilà, da, da, da. Elle se lève et puis elle dit, excusez-moi, c'est une blague, n'est-ce pas? You're welcome, Loli. Alors, c'est une blague, n'est-ce pas? La femme qui se lève et qui dit « Excusez-moi, c'est une blague, n'est-ce pas ?» Alors, « Excusez-moi, c'est une blague, n'est-ce pas ?» Je ris parce que j'ai regardé l'épisode, effectivement. Vous rirez demain, ok? Et vous me direz après. D'ailleurs, ah oui, un petit truc sympa.
ce serait quand le lendemain vous avez le lien pour regarder donc le PDF avec les réponses et le lien pour regarder l'extrait de la série en question. Ça serait sympa de me faire un retour sur vos impressions, si vous avez bien compris après avoir travaillé donc ce soir, si vous avez bien compris en regardant l'extrait de l'épisode. Et dans ce cas-là, que vous mettiez ces commentaires, ces retours d'impression en dessous de cette vidéo, de la vidéo du live qu'on fait là maintenant. Si ça vous dérange pas. Moi, ça m'intéresse et puis ça montre aux gens aussi comment vous ressentez l'exercice, quoi. Parce que l'exercice, c'est ce soir, mais c'est aussi demain, hein. Attention, hein. Alors, se dit en passant, vous m'avez dit, excusez-moi, c'est une blague, n'est-ce pas? Alors, Mazuki me dit, excuse me, it's a joke, isn't it? Ah, nice one. Michel, this is a joke. Oui, tout à fait. Ivan, it is a joke. Is that not? Oh, not bad. Yes. Elle est très comme ça. Je sais pas comment on dit. Non. Elle pourrait dire ça. Is that not? Le mafia. Excuse me. That's a joke, isn't it? Oui, tout à fait. Lodi, excuse me. It's a joke, isn't it? Yes. Et j'ai d'autres. Michel, sorry, this is a joke. Valérie, excuse me, it's a joke. No, oh yes. Isn't it? C'est mieux. All right. Et c'est comme ça qu'il le dit dans l'épisode. Alex, excuse me, it's a joke, isn't it? Yes. Loli, oui, je le ferai. Super, merci, Loli. Donc, la dame qui se lève et dit « Excuse me, this is a joke, right? » Or « Isn't it? » C'est bien aussi. Pour que vous sachiez quand vous allez l'écouter. Et alors, Patrick qui monte un peu sur ses grands chevaux, bien entendu, et qui la regarde et qui lui dit « Une blague? Un homme a été tué ici. Vous trouvez ça drôle? Ça vous amuse? » Moi, ça m'amuse. Ce petit jeu. Une blague. Un homme. Donc, ça, c'est Patrick qui dit. Hein? Patrick Chen, le consultant, le mentaliste. Une blague. Un homme a été tué ici. Vous trouvez ça drôle? Ça vous amuse? Effectivement, quand il dit ça, la dame, elle est un peu... Oh. Alors, une blague. Un homme a été tué ici. Vous trouvez ça drôle? Ça vous amuse? Je laisse réfléchir. Il y a quatre petites phrases là. Ta-da-da-da-da. Alors, tic-toc, tic-toc, méchante que je suis. Alors, une blague, un homme a été tué ici, vous trouvez ça drôle, ça vous amuse? Patrick Chain, The Mentalist. Ce rôle, il va à merveille, je trouve. À merveille. Alors, ça y est. Alors, Loli qui nous dit, a joke, a man was killed here. You find this amusing? Qui d'autre? Alors, qui d'autre? A joke. Ok. Un homme. Un homme a été tué ici.
Alors, on peut... ouais. Loli was killed. A été tué, effectivement, en français, mais ça serait terminé, il n'y aurait pas de conséquences. Il ne serait pas en train de rechercher le tueur et il n'y aurait pas de conséquences. Correct grammaticalement, mais pas dans ce, dans cette situation-là. Et Alex a compris le truc. Alex nous dit, a joke, a man has been killed. Killed a day. Kill, c'est, to kill, c'est, kill, c'est le verbe, et killed, avec ed, c'est le participe passé. Ok, a été tué, et accent. Here, you find that funny. Oui, parfait, autrement, hein, juste le ed qui manque, Alex. Michaud, a man is murdered here, there, there. There has been murdered. Ou alors is dead. Hein? Est mort. Ilan, a joke. A man has been killed. Do you find that funny? Mm-hmm, good. Lobby, okay, got it. A man has been killed here. Yes. Michaud, a man is murdered. How do you funny? Avec un U, Michaud. C'est pour ça, c'est par rapport à votre mot funny que vous avez mis avec un A, qui veut dire complètement autre chose que Google, que YouTube a, n'a pas accepté votre phrase. Donc, je la mets pas pour ne pas... ne pas inciter YouTube à nous bloquer. Ok, si vous ne comprenez pas, vous chercherez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Voilà la réponse. A joke, a man has been killed here. Is that funny? Is that funny to you? Bonne expression. Is that funny to you? C'est vraiment to you. Préciser pour cette dame-là, quoi. Are you amused? Alors, Octa, hello Octa, qui a un message soumis à l'examen aussi, disons, ce soir. Hein. A man was killed here. You think that's funny? You find it funny? Non, je peux l'afficher. Was killed here. N'aurait pas d'incidence sur le moment où l'on parle. Or, ça en a. Parce que le meurtre, enfin, vous venez d'arriver, je pense, le meurtre vient de se passer. Ivan, are you enjoying yourself? Yes. Do you find this funny, amusing? OK. Et la femme qui dit, bien sûr, non, mais ça, on passe. Et il dit, alors, asseyez-vous. Comme on dirait à un chien. C'est un ordre. Alors, asseyez-vous. Deux mots pour dire trois en français, deux en anglais. Alors, asseyez-vous. Et en attendant, vous me trouviez ça. L'histoire d'après... ok. Eventually, so, ah, dites, il y a une faute de frappe, non? Oui, sit down, sit down, oui. Et même, en fait, il dit sit, then sit. Vraiment comme si c'était un chien. Michaud, a man is murdered. ED, here, do you find it funny? Loli, so sit down, yes. Sit, oui. Le mafia, then sit, tout à fait. Then sit, exactly. Mas, then sit down.
Michelle. So sit down. Okay. Indy then sit. Et il se tourne vers une autre personne. Il lui dit, il s'appelle, c'est un employé aussi, il s'appelle Reed. Et il lui dit, une petite question, Reed. Bon. Ça, c'est, je ne sais pas trop pourquoi, parce que je ne connais pas ces super-héros-là. Il lui dit, Reed, ça c'est son nom, hein. Une petite question. Green Lantern contre Thor, qui gagne? Donc, Green Lantern, non, ce sont deux super-héros, hein, si j'ai bien compris l'histoire. Hello, Phil! It's almost finished! What's going on? Donc, il dit Reed, qui est le prénom, une petite question. Green Lantern, lanterne verte, je ne sais pas comment on dit en français, si on dit le mot anglais ou pas, contre Thor, qui gagne? Pourquoi? Ne me demandez pas pourquoi il pose cette question. Alors, une petite question. Green Lantern contre. Et pour être honnête, j'ai dû regarder dans notre ami Google pour voir de quoi il parlait. Effectivement, il y a une idée ou peut-être enfin, en tout cas en dessin animé, une bagarre entre Green Lantern et Thor. Et qui c'est qui gagne, quoi? Les deux super-héros. C'est pas mon truc, hein. J'avoue, je pourrais pas vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai dit, they always busy, teacher. I'm so sorry. Yes, I'm guessing you are busy, of course. No worries. Mas Reed, a bit question. A bit? A bit, c'est un morceau. Mais pas dans le sens petite question, non. Green Lantern against Thor. Who wins? C'est un des deux qui va gagner. Et c'est la troisième personne du singulier. Loli, a quick question avec un N. Green Lantern against Thor. Who wins? Même erreur. Ivan, a little question. A little, c'est en size, en taille. c'est plutôt question rapide, quoi. TikTok, Green Lantern, against. Tout le monde met against et personne ne me met de S à win. Pourquoi? Leo, read, just one question. Ah, voilà une bonne alternative quand on ne sait pas si c'est quick. Small, fast, ou je ne sais quoi. Très bonne alternative, Leo. Just one question. Green Lantern against Thor. Who won? Ah, qui a gagné? Mais non, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Hein. Qu'est-ce que vous pensez qui gagnerait, quoi? Who wins? Avec un S. Nice question. Yes, nice question. Yeah. Who wins? Okay, you got it. Je vous le mets. Tac, 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 tac. Hop, Green Lantern. Alors, dans l'épisode, il dit versus. Versus, il prend le terme latin. Versus. Ok, on continue. Question, là. Le gars, oui, il dit Thor et il dit oh oui, il est d'accord. Oh yeah, il est d'accord avec sa réponse. Et il dit pourquoi avez-vous tué Rasmussen, c'était le nom du bonhomme qui est mort. Pourquoi avez-vous tué Rasmussen? Ah non, Phil. C'est « who wins », il n'y a pas d'apostrophe « s ». Qui gagne?
qui gagne. Pourquoi avez-vous tué Rasmussen? Rasmussen avec un R majuscule, c'est le nom de, du gars qui est mort, quoi. De la victime. Pourquoi avez-vous tué Rasmussen? Pourquoi avez-vous tué Rasmussen? Alors, Wins avec un S, Phil. Parce que c'est une personne, troisième personne du singulier, qui a tué. Alors, Mazou, why you killed Rasmussen? Why you killed Rasmussen? Leo, également, Ivan. Ah, why did you kill? Ivan, si vous mettez did, qui est parfait, c'est le prétérit, vous mettez kill à l'infinitif sans tout. Il n'y a pas de ED, du coup. Il n'y a pas deux fois le temps du prétérit. Loli, why did you kill avec deux L? Oui, Rasmussen. Ok, who wins? Yes, yes, Phil. Ta-ta-ta-ta-ta. Read. Donc, why did you kill? Why did you kill Rasmussen? Je vais le mettre en. Parce qu'il y a une petite faute de frappe dans mon truc. Hein. Et lui qui dit je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas fait, I didn't, ok. Bon. Patrick Jane qui dit très bien. Alors, ça, c'est intéressant. Il se tourne encore vers la dame là, qui dit ah, c'est inadmissible. Il dit maintenant vous, mademoiselle grincheuse. Et titré. Comment on dit? Non, on dirait pas titré en français. C'est-à-dire qu'elle a un. Oh, comment on dit? Bah, titre, quoi. On dit titré, je pense pas, hein, en français. Quelle est votre histoire? Comme si. Vous savez, Lord machin, duchesse du truc mûche et reine machin. Seconde duchesse de château de je sais pas quoi. Alors, maintenant, vous, mademoiselle grincheuse et titrée, quelle est votre histoire? Alors. Vous, mademoiselle grincheuse et titrée, quelle est votre histoire? Ah, j'ai un problème d'internet, c'est pénible. Où est-ce qu'il est? Ah, ben j'avais pas fermé ça, c'est pour ça. Alors, maintenant, vous, mademoiselle grincheuse et titrée, quelle est votre histoire? Ah, now you miss untitled. What is your story? What is your story is perfect. Michaud, now miss what? Alors, avec un T et le verbe, il est où? Quel est, verbe être en plus, hein, c'est pas compliqué. Quelle est votre histoire? Phil, now miss, yeah. Loli, now, you lady grumpy avec un I, t'as eu chaud, Loli? Grumpy, and title, what is your story? Grumpy, yes, avec un U, hein. Tout à fait, Lenny. Alors, quelqu'un d'autre? Maintenant, vous, mademoiselle grincheuse et titrée, quelle est votre story? Votre histoire, pardon. Leo, now you, pardon, now Miss Grumpy,
Grumpy. I'm Tiola. C'est quoi ça? Titre rapide. What is your story? What is your story? Yes. Ok, je vous le mets. Alors, c'est... Excuse me. Ah! Alors, c'est now you, Miss Grumpy and Untitled. What is your story? Untitled. Titré avec un titre, quoi, Mademoiselle Machin, Dishlock. Et elle dit, je m'appelle Mandy Schultz et je vous ferai savoir que mon... On imagine la suite. Je m'appelle Mandy Schultz et je vous ferai savoir que mon... Parce que Jen va le couper, va la couper. Alors, je m'appelle... Et je vous ferai savoir que... Leo, Grumpy and, avec un D, titled. Oui, titled and titled. Hello! Alors, l'homme ou Maola? Je vais dire l'homme, ça sera plus facile pour moi. Désolé, c'est pas ça. I'm watching. Good, good. Alors, on doit... mettre en anglais la phrase « Je m'appelle Mandy Schultz et je vous ferai savoir que mon... » Yes, elle est coupée ensuite par Patrick Jane. Alors, je vous éteins. 58 oh. J'aimerais quand même voir cette petite histoire avec cette Mandy Schultz-là. Non, on va faire juste, juste la suivante, la réplique de Patrick. Donc, et je vous ferai savoir que mon... On va dire Marie, hein, mais bon, on aura pas le temps. Alors, Lodi qui nous dit, « My name's Mandy Schultz, and I have you know that my... it's missing something, and I have you... No. And I have you know. And I have you know. No, it's not missing anything. It's not missing anything. Oui, moi je l'aurais dit plutôt comme let you know. Mais I have you know. C'est bon. Michou, my name is Mandy Schultz. I let my you. Ben non, my you, my or you. I let what? He? Who? C'est dans quel ordre? Non, please say my name. I'm trying! I'm trying! Maola Lom? Je suis désolée, je ne sais pas comment prononcer votre nom. Ça me fait penser à la chanson. Say my name, say my name. Donc, oui, I will have you know that. Oh, je l'ai dit trop tôt. Phil, my name is, and I will have know you. Non, I will have you know that my tuk-tuk-tuk. Je vous le mets. My name is Mandy Schultz. And I will, je vous ferai, futur, mais bon. My name is Mandy Schultz, and I have you know that my... You know that. Yes, exactly, Phil. Évidemment, Patrick Jane la stop et lui dit, laissez-moi deviner, votre mari... est une personne très importante. Patrick Jane qui dit, laissez-moi deviner, votre mari est une personne très importante. Oh, comme par hasard.
Alors, comment il va lui dire ça? Laissez-moi deviner, votre mari est une personne très importante. Laissez-moi deviner. Alors, laissez-moi deviner, c'est une expression que vous devriez savoir. Hein? Laisse-moi deviner. Laissez-moi deviner, c'est pareil. On a oublié. Laisse-moi ou laissez-moi. Ah, oui. Lori, let me guess, your husband is an important person. Très important. Oui. Qui d'autre? Le mafia, let me guess, your husband is an important person. J'ai pas mis très important. Si, une personne très importante. Pourquoi il n'y a pas le trait? Loli, le mafia. Alors, laissez-moi deviner. Le mari est très important. Leo, your husband is a person important. L'adjectif se met avant le nom. Important person. Phil, let me think. Laissez-moi penser. Oui, il pourrait lui dire ça aussi. Ouais. Let me think. Your husband, avec un U, allez, Phil. Avec un U, H-U-S. Your husband is a very important person. Sinon, c'est bon. Leo, let me guess. Ah oui, c'était avant, ouais. Mais, let me guess, your husband is a very important person. Exactly. Yes, avec un your husband. Merci, Phil. Tout à fait. Let me guess, your husband is a very important person. VIP, exactly. Very important person. D'où le very. Loli. À ne pas oublier. Et, évidemment, la Mandy, là, elle dit, il l'est en effet. Et il l'est en effet. Bla 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 bla. Alors, c'est dit d'une façon qu'on entend souvent hein, dans les séries, je pense, que je trouve que c'est important de savoir. Il l'est en effet. Mas, he is exactly. Alors, avec ces mots-là, moi, j'aurais mis dans un autre, j'aurais mis exactly. He is. OK. Loli, he is ended. Indeed, you mean. Comme les autres. Avec un « i » français, je veux dire, Loli. Phil, of course, indeed. Ouais, elle aurait pu dire « indeed », ouais. Alors, vous avez des problèmes pour écrire « indeed », hein. Michel, « indeed yeah, ». Loli, « indeed ».« He is indeed ». Oui, il est en effet. Oui, tout à fait. Elle aurait pu le dire comme ça. Mais definitely he is. Mais elle le dit de cette façon-là, qui peut paraître bizarre, mais qui est tout à fait commune. Et he is as it happens. As it happens. En effet, as it happens, ça peut commencer une phrase aussi. As it happens, I met that guy, bla 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 bla. He is as it happens. Feel sure indeed. He is indeed, plutôt. Hein? Ok, je me pose la question, est-ce que... Ouais, on fait... Alors, elle dit, on termine sur elle. Ah non, ce serait bien de continuer quand même. John est au conseil municipal, on va passer. John's on the Modesto City Council.
Et ceci est totalement, alors, et ceci est totalement non professionnel et irrespectueux. Ouh, que de grands mots. Ça, c'est elle qui le dit toujours à Jane, à Patrick Jane. Et ceci est totalement non professionnel et irrespectueux. Irrespectueux. Je continue. Et je vais demander à mon mari d'en parler à vos supérieurs. Évidemment, la menace tout de suite. Hein. Alors, on finira sur ça ou pas? Non. Moi, j'avais prévu de finir à 9h, mais en milieu de trucs, c'est un peu bizarre. Donc, et ceci est totalement non professionnel et irrespectueux. Allez, allez. Non professionnel, le contraire d'un adjectif, qu'est-ce qu'on met devant pour faire le contraire? Et irrespectueux, pareil, mais c'est pas le même. Comment on dit? Le même petit ajout. Alors, ceci est totalement non professionnel et irrespectueux. Loli, and that is totally unprofessional and disrespectful. Respectful. Il manque un T. Mais sinon, c'était super. Excellent, Loli. Excellent. Il manque un T et disres. C'est R-E-S. Réécrivez-le, Loli. Les autres, hein? Et après, c'est je vais demander à mon mari d'en parler à vos supérieurs. La grosse menace. Je vais en parler à mon mari ou j'aurai mon pas. Je ferai en sorte que mon mari montrera ça. Écoutez bien, je vous aide, montera cette histoire, ceci, à vos supérieurs, avec vos supérieurs. Leo, this unprofessional and disrespectful. Yes, this is totally, completely. N'oubliez pas le verbe quand même, Leo. Et la deuxième phrase, je vais demander à mon mari d'en parler à vos supérieurs. Je vais mettre la lenteur d'aujourd'hui sur le compte de la nouvelle, de la pleine lune, là, parce que c'est pas possible. Je trouve ça bizarre, pas vous? Loli, I'm going to tell my husband about it. Mm-hmm. Je vais dire à mon mari. Je vais le dire à mon mari. Et qu'est-ce qu'il va faire, le mari? Qu'est-ce qu'elle veut qu'il fasse? Pas sûr qu'il le fasse, mais. Michel, I will ask my husband to speak your flight. C'est votre vol d'avion. Je comprends pas. Ouais, je vous le mets. Je sais qu'il se fait tard pour certains. Phil qui dit I am going, Phil. N'oubliez pas l'auxiliaire être pour le présent progressif. I am going to tell my husband about it. Oui, je vais dire à mon mari. Mais c'est pas tout. Alors, je vous le mets. Oops. Who will take to your superiors? Oui, il y a l'idée, Loli. Oui, Phil, I am. Mm-hmm.
Elle dit, and this is totally unprofessional and disrespectful, ça vous l'aviez. I will have my husband take this up. I will have my husband take this up with your superiors. OK? Et évidemment, Patrick qui dit Mandy. Les pilules de régime vous rendent folle. Je fous de sa gueule ouvertement, hein? Les pilules de régime vous rendent folle. Et, yes, it is, lovely. It is a difficult sentence. Mais c'est sympa de temps en temps de se creuser les méninges. Donc, Patrick dit à cette dame, à Mandy, les pilules de régime vous rendent folle. Ici, c'est Sacramento, la grande ville. Votre mari ne signifie rien. Oh là là, quelle offense. Et ce sera le mot de la fin. Alors, Mandy. Donc, trois phrases. Les pilules de régime vous rendent folle. Ici, c'est Sacramento, la grande ville. Votre mari ne signifie rien. Ah ah. Je vous laisse réfléchir. Je me pose la question, est-ce que... Ah, il y a encore pas mal, hein. Ouais, je vous mettrai dans le PDF quand même toutes les phrases. Même, on va s'arrêter là, mais il y en a pas mal après encore, pour que vous puissiez les lire, les étudier un petit peu et regarder l'extrait du film après. Loli qui nous dit « Lose weight pills make you crazy ». Ah, d'accord. Pourquoi lose? Ah, lose weight pour régime. Ah, d'accord. Mais comment on dit régime? Ah ben, Phil, voilà. Phil vous le dit. This diet medicine, where you crazy? Where? Pourquoi where? Ah, it's so hard to change. Oh, come on. It's not that hard, is it? Sorry. But last time it was too easy, so now, huh? Loli, your husband means nothing here. Tout à fait. Diet. Exactly, Loli. Michel, your husband is nothing. Yes. Your husband is nothing here. Mm-hmm. Oh, Ramses, hello. It's the end. It's finished. I'm sorry. Hi, teacher. Diet pills make you crazy. Yes, diet pills make you crazy. Exactly. Phil, there is no justice, teacher. Why not? Why do you say that? There is no justice. I have to... Il faut que je trouve des fois quelque chose qui vous fasse réfléchir pour que vous avanciez. Si c'est toujours facile, non, ça ne vaut pas le coup. Hein? Alors, Patrick Chen, qui lui dit... it's too difficult, that's why it's no justice. Okay. Ram says, this is Sacramento, the big city, your husband means nothing here. Mais vous voyez, c'est pas difficile. Ram says l'a fait. Michaud, in the city, your husband is nothing. Yes. Good. Je vous mets la réponse. C'est... These diet pills,
Non, pardon. Not this. Ah. Ah. Sugar. Sugar, sugar. The diet pills are messing with your mind. Messing with your mind, c'est pour dire joue sur votre capacité, vous empêche de penser clairement, de réfléchir clairement sur la capacité à raisonner. Messing with your mind. I'm messing with your mind. Don't mess with my mind. Me fais pas perdre la tête, quoi, en fait. OK? The diet pills are messing with your mind. This is Sacramento, the big city. Your husband means nothing here. Ça, vous l'aviez. You're welcome, Ramses. Thank you. Okay, guys, this is it for today. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, demain, vous aurez... Lulu qui dit, I liked the video. She means, she put a thumbs up. And you guys. Yes, please, mettez un like. Ça m'aide toujours à, dans le référencement Google et surtout YouTube. Ça m'aide. Et donc, demain, vous recevrez l'email avec le lien pour les phrases et il y en aura plus. Hein. Il y a pratiquement le double de ce qu'on a fait. Non, si, presque le double de ce qu'on a fait. Et donc, comme je vous l'ai dit à un moment donné, regardez l'extrait de la série après avoir lu les phrases en anglais du PDF que vous recevrez demain. Et de ce que vous avez compris, de vos impressions, mettez un commentaire sous cette vidéo du live d'aujourd'hui pour me donner un retour. C'est la deuxième partie de l'exercice de ces pratiques en direct. Hein. Pratiques en direct le vendredi soir et le lendemain, on regarde l'épisode, la série en question pour voir comment on arrive à bien comprendre. Hein. Et vous verrez, en plus, enfin moi, j'aime beaucoup la série. C'est très rigolo. Il y a beaucoup d'humour. Vous verrez. Alors, qui c'est qui dit quoi? Michou, ne partez pas avec les pouces bleus. Ne partez pas avec les pouces bleus. Ne partez pas sans mettre les pouces bleus. feel good job, teacher. Thank you. Loli, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Thank you, teacher Shaba. You're welcome, Loli. Black looks good. Ah, black looks good. Vous copiez Loli de la dernière fois. She said blue suits you, which is nice. Black as well. Thank you very much. Congratulations. Congratulations. Why? Anyway, thank you very much, guys. I see. Sorry. Take care. I see you next. And bye-bye.